Et donc salut tout le monde, c'est AfterzGamerCardTof. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit test and play. Donc ça faisait assez longtemps. D'ailleurs ça faisait 2 semaines que je suis parti sur cette vidéo, même si j'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps, elle doit faire 1 heure ou 2. Et puis aujourd'hui on se retrouve sur un petit free to play, excusez-moi, sur Hawken, un jeu qui ressemble à Titanfall on va dire. Sauf qu'on est tout le temps dans des titans, mais ceux qui s'appellent pas des titans s'appellent des mecs ou des mecs, je sais pas comment on dit. Donc là il y a marqué email et mot de passe, mais normalement vous le voyez pas, donc je vais le marquer. Alors je vais flouer ça, voilà, si j'y pense. Voilà, connection. Franchement ce jeu, alors pourquoi ça me plaît, pourquoi ça va pas? Ah d'accord, je me suis trompé. Voilà, normalement c'est voilà. Donc ce jeu franchement, bah ça dépend en fait, pour ceux qui veulent le lancer, minimum il faut 3 gigas de RAM. Et par contre je sais plus ce qu'il faut comme processeur de carte graphique, ça je suis désolé, je crois qu'il faut Nvidia GeForce GTX 560 ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin, parce que c'est... Je regarde pas tout le temps, hein. Enfin bizarrement en ce moment je regarde pas trop vu que je sais que mon PC peut supporter. Alors pour vous prouver que je suis bien en ultra, je vais aller dans les paramètres de vidéo, là vous pouvez voir ultra détail des textures et tout, actif, je suis tout en actif et tout. Grâce à mon PC très très bien, très très bien. Mon PC assez performant, je peux le lancer en ultra, enfin à peu près tous les jeux. Enfin pas tous les jeux, mais les jeux du style BF4 je pourrais le lancer en ultra, ce qui est déjà pas mal. Alors pour vous parler un petit peu du jeu en détail, c'est un peu un genre, bah comme je vous dis, Titanfall, sauf qu'on peut pas sortir de son mec, on va dire. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est un jeu de tir en première personne, hein. Franchement il a un peu copié sur Titanfall, ça m'a un peu gêné, mais ça ne change à peu près rien. Alors bon, je sais qu'il y a énormément de monde qui me disent que c'est un peu chiant que je navigue énormément dans le menu et tout, donc là je vais essayer d'être un peu rapide. Donc là je suis dans le garage pour modifier mon titan, mais non c'est un mec. Alors, je crois que c'est un mec, hein, je sais plus. Donc avec objet, système, consommable et tout. Ensuite style, donc le style du titan. Ça, ah j'y suis jamais allé. Est-ce que je peux l'avoir en rouge? Est-ce que je kiffe le rouge? Hop, en beau rouge. Ah ouais, stylé. Ah, j'avais pas vu ça. Je ferai ça un autre jour. Bon bref, ensuite marché, donc on peut acheter des trucs. Moi j'ai rien acheté pour l'instant. Instruction, carrière, donc ça c'est ce qui est pour l'image du personnage. Donc moi pour l'instant, bah, tiens je vais prendre ça. Hop voilà, ensuite paramètres, les paramètres vidéo, raccourcis, tout, enfin voilà. De tous les trucs en détail, je commande, paramètres vidéo, encore une fois en ultra, pour pas vous faire un. J'arrive plus à dire, mais pour éviter de vous dire. Pour vous donner une fausse idée, hein, je suis toujours en ultra. Et puis bah on va cliquer directement sur jouer, donc là vous pouvez voir mon make. Alors j'ai bien fait de le mettre en rouge. Donc là vous pouvez voir, il y a plusieurs modes, donc il y a 4 modes, 1, 2, 3, 4, 5, 5 modes, je suis très très nul. Moi perso, pour l'instant j'ai fait que DM en équipe et deathmatch, moi je préfère lancer en deathmatch, donc c'est parti. Donc j'espère que là ça va être bien pour jouer. J'ai bloqué à 60 fps pour jouer, parce que normalement je tourne environ 250 voire même plus. Mais pour éviter de... enfin ça sert un peu à rien, on m'a déjà dit ça. Donc sur le action de Mirelis, j'ai bloqué à 60-61. Voilà, ça va 61 bizarrement, mais je bloque à 60. Allez, c'est parti. Hop, je suis prêt. D'accord, on est que 3. Super. Wesh. Ah, franchement, ce jeu, il est énorme. Hein. Je vous le conseille trop. En plus, faut pas un énorme... enfin... Si vous ramenez avec un vieux PC tout pourri, non. Genre 2 Go de RAM, Intel Core Duo ou des trucs comme ça, mais n'y pensez même pas quoi. Hop, voilà, j'y suis. Super. Vous voyez, c'est assez beau quand même. Hop, on peut. Avec un jackpack et tout. Donc je disais, je vais finir quand même. Il faut un assez beau PC. What? Enfin, un assez. Enfin, bah, un moyen. Vous pouvez même le lancer en faible. Hein. Vous pourrez le lancer si vous avez un PC assez basique. Hein. Mais moi, voilà. Donc je peux me le permettre de le lancer en ultra. Ça lock pas, c'est super. Alors c'est parti, donc vous pouvez voir là les ennemis en rouge, on peut lancer des missiles et mitrailler, ce qui est pas mal. On peut faire des petits genre dans Titanfall, je sais pas si on peut faire parce que j'ai pas Titanfall hein. Mais on peut glisser sur le côté, donc ça je crois qu'on peut le faire dans Titanfall, c'est très utile. Je sais pas s'il y a le jetpack dans Titanfall, je crois pas. Après voilà, franchement le jeu en lui-même il est très très beau hein.
Franchement, je regrette pas de l'avoir téléchargé. Parce qu'il ne fait même pas. Il n'est pas très grand. Pas très gros au niveau taille de jeu. Enfin, je vais peut-être baisser un peu son. Merde, je sais pas. Voilà. Il fait pas énormément de gigas. Moi, je l'ai téléchargé en même pas 20 minutes. D'accord. Hop. Hop, ma vie est représentée sous la barre jaune. Orange, je veux dire. Je suis pas daltonien. Vais-je tuer l'ennemi? Oui, je l'ai eu, voilà. Alors, quand je vous tue un ennemi, normalement, il vous drop... ouais, voilà, ça. Cette petite boule jaune vous permet de récupérer de la vie, comme vous pouvez voir. Vous pouvez voir que l'écran est tout brisé sur le... sur mon mec. Enfin, je sais pas comment ça se prononce. Enfin, bref, voilà. La petite barre où on dirait une truc d'essence, c'est pour votre jetpack, c'est tout. Pour ce qui est sprinter et tout. Qu'on peut sprinter avec shift, enfin ça permet de voler, on va dire, survoler. Par contre, on est que 3, ça c'est un peu chiant. Ah, je suis mort. Allez, trop bon. quand vous êtes mort, votre truc explose. Hein. Terramos, putain, mais on est que 3, ça c'est nul. Par contre, j'aime pas purée. Non, c'est ah, j'aime pas du tout quand on n'est pas beaucoup. Ah, on est plus de je sais quoi, je vais quitter. Voilà. Je sais pas par contre si je peux. Non, je crois que je peux pas mettre plus de 60. De toute façon, c'est pas important. Synchronisation des stages, jouer. Je vais lancer en DM équipe. En fait, ça change pas trop des deux, je crois. Je crois que celle-là, c'est des maps. Attendez, jouer le franc tireur, éliminer tous les mecs. Ah voilà, les mecs. Les mecs. Enfin, je sais pas comment ça se prononce. Alors, que vous rencontrez par d'équipiers, pas d'amis. Ah d'accord, donc en fait, c'est un peu comme du. Ouais, de la mêlée générale. Moi je préfère avoir des alliés, c'est un peu mieux quand même. Franchement, alors je sais pas trop quoi dire. Sur la dernière vidéo, enfin pendant 2 semaines j'ai pas sorti de vidéo, tout simplement parce que j'ai reçu mon PC. Il fallait que je réinstalle tous les logiciels, tout ce qu'il fallait. Franchement, je ferai bientôt un setup de mon PC parce qu'il est quand même assez beau. Je vous présenterai toutes les pièces dedans. Ça se fera bien sûr dans pas longtemps, je l'espère. Peut-être en compagnie de Rafa Guada, il pourra peut-être m'aider. Et puis voilà quoi, on va lancer. Ah, on est combien? C'est bon, une équipe complète, parfait. Ouais. Alors, je connais pas cette map. Parce que le jeu, je l'ai depuis quoi? Une semaine, même pas? Puis c'est. Voilà. C'est très difficile au début. Hein, c'est assez difficile de prendre en main, mais. De prise en main, c'est assez difficile au début. Mais on s'adapte assez vite. Pour ce qui est des missiles, regardez, vous voyez qu'ils partent un peu en couille. C'est pour ça qu'il faut viser un petit peu à l'avance. Comme dans un Battlefield ou un jeu comme ça quoi. Aussi j'ai donc avec mon PC que j'ai reçu, mon PC gamer, j'ai reçu un code pour avoir un jeu, donc le jeu Daylight, un jeu d'horreur, donc je ferai des vidéos dessus, peut-être même un let's play. Sauf que j'ai reçu le code aujourd'hui, donc 10 jours après avoir réceptionné le colis. Donc j'ai reçu le code et sur Steam, bah, j'ai rentré le code sur Steam et tout tranquille. Et ça m'était que bah, le jeu était bloqué sur Steam jusqu'au 29 avril. C'est-à-dire dans maintenant dans 4 jours. Dans 3 jours. Parce que là il est minuit 4. Dans 3 jours. Ce qui fait que je ferais, ça me fait un peu chier. Donc il est dans ma liste, dans ma bibliothèque de jeux. Hein, c'est juste que bah voilà quoi. Oula, il y a un peu de monde là. Hop, c'est juste qu'il est. Je sais même plus ce que je veux dire. Puisqu'il est bloqué, je sais pas pourquoi. Alors moi je pensais que j'allais avoir un genre juste accès anticipé ou un truc comme ça. Enfin pas d'accès anticipé, mais. Ah putain, je vais mourir. Non, je veux pas mourir. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire, mec? Qu'est-ce que tu vas faire? Je récupère de la vie vite. Là. Allez. Ah, c'est pas énorme la vie, hein. Il y a plus. Je sais pas s'il y a domination. En fait, j'ai pas testé tous les modes. Faudrait peut-être que je teste un autre mode. Ce serait sympa. Maire, voilà, super. Aussi, j'ai récemment acheté Arma 2. Donc le Arma 2 et Arma 2 Operation Orbonhead. Vu que sur Steam il était en baisse à seulement 4,99€ les deux. Je me suis fait plaisir, on va dire. Et puis normalement je crois qu'il coûte environ 12€ ou 19, je sais plus du tout. Ou même 15, je sais plus combien il coûtait à la base. Mais là rien que le Arma 2 normal je crois qu'il coûte 2,75€. Hop, voilà, je me suis fait. Je vais mourir un petit peu de vie. Ouais, tu meurs, voilà. Franchement, mais ce jeu il est énorme, faut trop
que vous testiez. Testez. Hop. Toi, tu crèves. Ah mince. Oh non. J'étais à deux doigts d'en tuer un. Il va paraître là. Ce serait bête que je meure en sautant. Et voilà. Super. Je prends de la vie, vite, vite, vite. Ah mince, c'est pas. Du coup, j'ai complètement zappé. Mais donc, Arma 2, j'ai pris le mode DZ. Par contre, c'est vraiment galère au début. Avec mon ami Flaps Gaming, on n'arrivait pas à jouer au DZ mode et tout. Mais après, on a trouvé. Enfin, j'ai trouvé avec DZ Commander et tout. Et puis, pendant un temps, ça va mieux. Puis, je vais sur des serveurs Iceland Life. Qui est super. Je ferai peut-être quelques vidéos dessus. Bientôt aussi des lives sur Gamers Connection. Gamers Connection. pourquoi pas sur Twitch tout simplement, parce que je sais pas pourquoi, mais avec XSplit, quand je lance un live sur Twitch, ça met que je perds trop d'FPS. Je sais pas comment régler ça, donc si vous le savez, ce serait sympa de me le dire dans les comms. Sur Gamers Connection, j'ai aucune perte d'FPS. Donc je sais pas comment régler ça, mais en attendant, je fais sur Gamers Connection. Et donc, je suis chaud, moi. Je suis du combien, là? Du 5-1. Et c'est mortel, ça. Donc, je vais faire sur Gamer Connection. Sauf que j'ai encore un petit problème qu'il faut que je règle. C'est au niveau du micro, du son, parce qu'il y a un espèce d'énorme grésillement. Alors, ça, c'est un truc bouclier qu'on peut dropper. C'est juste en bas de l'écran, dans le mec. Je sais pas comment on prononce, encore une fois. Il y a marqué x0. Donc, c'est ce qu'on débloque, je crois, à force de tuer des gens. Je suis pas sûr. Ah, puis il y a des personnes là-bas. Pendant les vacances, donc c'est vacances de 2 semaines là. Donc déjà pour commencer, je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui en ont. Pour ceux qui sont encore collège ou lycée. Hein. Mais voilà, donc je pense que je vais faire énormément de vidéos. Vu que mon ami Rafa Guada, à la base, est en Guadeloupe. Mais il est venu en France. Je sais que la Guadeloupe fait partie de la France, mais enfin, je crois. Oui. Mais il est venu là où j'habite, quoi, là où voilà. Enfin, bref. Et puis du coup, on pourra faire des vidéos ensemble, donc comme la vidéo précédente sur MW2. Je m'excuse aussi de la qualité et des bandes noires sur MW2, puisque vu que j'ai dû retécharger tout le fichier, du coup j'ai pas eu le temps de reconfigurer tout ce qui était pour avoir de la 1080p, tout ce qui est redimensionné. Donc je ferai ça pour cette vidéo là, normalement ça devrait être bon. Et aussi, je filmais avec Fraps, du coup on n'avait pas énormément de temps. Vu que la vidéo elle a duré quoi, 19 minutes. J'en avais pour 64 Go, ce qui est énorme. Franchement, Axiom Merilis c'est largement mieux. Donc je vous le conseille. Qu'il soit légal ou illégal, hein. Après c'est à vous de c'est vos choix de pour l'avoir, quoi. Et moi je dirais pas comment je l'ai eu. Parce que ça se trouve je l'ai acheté, ou si ça se trouve je l'ai craqué, on sait pas, hein. On ne le saura peut-être jamais. Mais voilà. Franchement, Axiom Merilis, il est largement mieux. Vous laguez moins qu'avec Fraps. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple sur mon ancien PC. MW2, avec Fraps, je le faisais tourner en 30 FPS. Au lieu de 50, je dirais. Non, attendez. Non, je dirais. Je le faisais tourner à 18 FPS au lieu de 30. Alors qu'avec Axiom Merilis. Je tournais à 50, 5, non même pas 30, 30-35 dessus. Vu que mon PC était pas super puissant, du coup voilà, j'étais à 35. Là je suis actuellement à 59-60, parce que j'ai bloqué à 60 et puis voilà quoi. Il n'y a pas besoin d'énormément plus d'FPS pour jouer, tout simplement, parce que même à l'œil humain, on a 60 images par seconde. 200 FPS pour une vidéo, c'est vrai que ça serait super beau, mais voilà quoi. Un peu inutile dans la foulée. Ouais, je suis deuxième, je suis du 6-3 quand même. Hein. Ce jeu, franchement, il est énorme. Hein. Il est voilà bien. Donc, disponible sur Steam au prix de 0€, donc gratuit. Logique. Je vais me remettre au test and play. J'en ai téléchargé énormément, vu qu'avant, à cause de mon PC, je pouvais pas. Là j'en ai largement plus.
Ce qui fait par exemple Gotham City Impostor sur PS3. Maintenant je pourrais en jouer sur PC, je l'ai. Il lag pas du tout même. Je suis en ultra sur tous mes jeux que j'ai actuellement. Je suis en ultra et ça lag pas d'un poil. C'est génial. Hop, j'espère que j'en ai pas. Non, j'en ai pas touché. Donc il y a quoi d'autre? J'ai AP Rollout Dead. Enfin, j'ai plein de jeux. Pour ceux qui voudraient m'ajouter sur le Steam. Ouais, j'ai lancé quoi? Ah, j'ai lancé un truc, je sais pas ce que c'est. Énorme. Pour ceux par exemple qui voudraient jouer à Hoken avec moi, il n'y a pas de souci, hein, je suis dispo. Dites-le moi dans les coms si je mettrai mon Steam. Je vous donnerai mon Steam après. Je vous donnerai mon Steam dans la foule, dans les commentaires. Je vais mourir. On dirait que j'avais trop tiré les machins, hein. Mes mains elles étaient tout en feu. Marrant. La partie se termine dans 1 minute. Après, je pense que je vais arrêter. Ça fait 16 minutes que j'enregistre. Ça va, et puis avec Adobe Premiere Pro, franchement, le montage il se fait mais super rapidement. Je sais pas si c'est à cause de ma configuration de logiciel en lui-même, donc j'ai rien fait. Oui, je balance des trucs, je sais pas ce que c'est. Ben bref, voilà. Du coup, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais j'ai mis quoi? Une vidéo de 19 minutes, j'ai mis même pas 45 minutes à faire le rendu, ce qui est pas énorme, alors qu'avec mon ancien. J'aurais mis toute une nuit, voire même plus. Le lendemain matin, ça serait toujours pas fini. La partie termine. C'est moi qu'on voit ici en rouge, je crois. Ouais, After Gamer. C'est moi le meilleur de la partie, je crois. Ou je sais pas, parce que normalement, c'est pas sûr ça qu'on voit. Alors, normalement, on va me voir si. Je dois être deuxième. Je suis là. Et je peux saluer la foule. Non, on peut pas. Non, faut croire que je suis pas assez au level pour. Oui, je suis en rouge, hein. Trop stylé. Hop, fucking lag. Allez, vas-y, ça reporte au lag. Hop, GG pour moi. Hop, je vais quitter le match. Donc là, oui, vous gagnez l'XP. Tout ce qui est XP pour passer level. Donc moi, je crois que je viens de passer level là. Je suis pas sûr. Je suis rang 5, y a pas de problème. Et puis, bah, j'espère que ça vous aura plu. Franchement, cette vidéo me fait. C'était un gros plaisir de la faire. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo. Et sur ce, à la prochaine. Allez, ciao, bye tout le monde.